Bonjour, bienvenue pour une nouvelle découverte de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre sur le Touring Club de France. Ça vous dit quelque chose? Bien, ça devrait, parce que c'est une association formidable qui a été créée en 1890 en France, et son objectif était la promotion du tourisme, en France notamment. Et donc, cette immense association a eu jusqu'à 700 000 abonnés à une époque dans les années 50-60. Vous vous rendez compte? 700 000 abonnés. Tous les clubs et toutes les associations en rêveraient aujourd'hui. Alors voilà, on bascule sur le livre, je vais vous le présenter. Alors, déjà on peut physiquement le regarder, donc c'est un petit livre, une demi-reliure à coin. Je rappelle qu'on dit demi-reliure parce que tout le cuir ne couvre pas tout le plat. Le dos est richement orné de dorures, des caissons, des fers, le titrage doré, donc un beau petit livre. Tranche supérieure dorée, je pense qu'on la voit bien là. Voilà, et ce livre, il a été écrit par le docteur Léon Petit. Alors, Léon Petit, c'était un des administrateurs du Touring Club de France. Il était médecin, et c'est lui qui faisait la promotion des problèmes sanitaires en France, notamment pour l'hébergement des touristes. Et ce docteur Léon Petit, pendant 10 ans, il a fait des conférences. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, lors de ses conférences, il utilisait beaucoup l'humour et il était assez réputé pour étant un joyeux luron. Alors, tout de suite, je vais vous préciser que ce livre a été tiré à seulement 50 exemplaires, 60 exemplaires, pardon, il a été tiré à 60 exemplaires numérotés. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est le numéro 6, donc un des 10 exemplaires sur papier Japon. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement rare. Le papier est magnifique, puisque c'est un papier qui est très très fort, très très souple, et puis est joli, un peu ivoire sur les bords. Et ensuite, les 50 autres exemplaires ont été tirés sur papier Hollande, qui n'a rien à voir. Donc, le numéro 6. Alors, le docteur Léon Petit a fait ses conférences, et ensuite, il a décidé de publier ce livre, où il reprend toutes ses conférences. Alors, je vais quand même vous parler de la première conférence, parce que c'est quand même assez formidable. Sa première conférence, le titre est « Nos femmes depuis la bicyclette ». Et ce texte, c'est un texte d'émancipation de la femme, phénoménal. J'ai été vraiment très surpris en le lisant, parce que je l'ai lu entièrement, parce que effectivement, c'est quand même incroyable qu'à cette époque, on est dans les années, je crois de mémoire, 1910, non, 1904 exactement. C'est quand même incroyable qu'en 1904, un homme, un médecin, ait un discours aussi féministe. C'est vraiment passionnant. En plus, sur le ton de l'humour, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais notamment, il nous apprend que c'est grâce à la bicyclette que la femme a eu le droit de porter la culotte. Et oui, avant, c'était interdit. Seulement comme le vélo, c'est compliqué de faire du vélo en robe ou en jupe. Eh bien, finalement, la culotte a été autorisée pour la femme, et c'est grâce au vélo. Et dans ce petit texte, il exhorte les femmes à faire du sport, il exhorte les femmes à chevaucher cet engin formidable qu'est le vélo, et il y a des passages vraiment, vraiment impressionnants. Ce texte n'a jamais été numérisé, il n'est absolument pas disponible en numérique dans aucune bibliothèque, j'ai vérifié. Il est clair que de toute façon, je vais le numériser pour au moins vous le proposer en lecture en ligne ou en téléchargement, parce que les féministes vont vraiment adorer. Alors, bien sûr, ce livre, je vais le mettre en vente dans ma boutique en ligne, livreancien.fr. Voici le lien vers mon site. Alors, n'hésitez pas à venir jeter un œil. Merci et à bientôt.